This is the beautiful Bordeaux and Arcachon, Midwest France, close to the Atlantic coast. From a thriving, bustling, diverse city to rolling sand dunes and pine trees, and the perfume from the Atlantic winds. Talking all the way to you. Cause every fascination comes with a price in your heart. Do you like to say that you don't like to have fun? You can't say that I'm so bad all the time. I give you time, and I give you life in this world. The steps that you take, the moves that you make in your eyes, cause I fantasize deep within the lies every night. I see in your eyes that you fantasize all the time. I wanna hold you tight and make you see tonight it's alright. I've been on holiday, sucking all the way to you. Cause every fascination comes with a price in your heart. And I give you time. Cause I give you. À partir de là, je vois un monsieur qui n'a pas le bon bonnet ou qui ne l'a pas encore mis. Ah, d'accord, très bien. Assurez-vous de connaître votre numéro qui est bien inscrit sur votre main, car si vous aviez besoin d'appeler un sauveteur, et on vous connaît plus par votre numéro. Plonger ou sauter, à votre convenance. Par contre, faites très attention lorsque vous allez sauter ou plonger de ne pas d'abord vous assurer qui passe et que d'autre part de ne pas tomber sur un autre nageur si vous ne partez. Ok. Bon. Alors maintenant on va parler de la trajectoire. La trajectoire que vous devez emprunter pour arriver le plus rapidement possible en fonction de vos moyens à l'arrivée. Vous avez en face de vous le canoë avec la flamme de la traversée de Bordeaux à la nage. C'est le meilleur indicateur pour vous de direction. En fait, la bonne direction, c'est vraiment de partir à la perpendiculaire, c'est-à-dire de viser la banque en face. C'est important parce que sinon, le courant déjà va vous déporter, vous allez être très, très porté sur la gauche. Les sauveteurs qui sont placés là ne sont pas là pour faire les gendarmes et vous empêcher de passer. Ils sont là pour assurer la sécurité. Donc bien vous surveiller et s'assurer que tout se passe bien dans l'eau. Vous devez impérativement suivre cette flamme. Lorsque vous serez au milieu de la Garonne, vous verrez que le courant est même encore un peu plus fort. Vous devrez ensuite viser la bouée rouge que l'on aperçoit juste en profil devant le bateau blanc. Là, lorsque vous serez là, vous aurez fait la moitié du parcours. Vous devez impérativement passer à la gauche de cette bouée, à gauche. Et une fois que vous êtes arrivé là, de la même façon, visez à la perpendiculaire la berge en face. Alors, je le répète et j'insiste, mais sachez quand même que sur la série précédente, 4 nageurs ne sont pas classés. Et nous avons été les rechercher après l'arrivée.
Car effectivement, lorsque vous passez l'arrivée, avec le courant, c'est trop tard. Et dans ce cas-là, bah, vous ne pouvez pas remonter le courant, donc vous êtes forcément disqualifié. Donc attention à ce point, de bien toujours penser que quand on nage dans ce sens, il faut absolument être à la perpendiculaire. Visez vraiment en face. Ne visez pas l'arche tout de suite. Lorsque vous serez dans l'axe de l'arche à l'arrivée, sachez que le chronométrage ne prendra en compte votre temps que lorsque vous passez sous l'arche, pas lorsque vous mettez le premier pied au sol. Dans, ou de difficultés ou de soucis, levez la main, faites signe au sauveteur. Vous aurez à bord des boissons. Le podium sera non pas sur le quai, plutôt que sera donné le départ. Donc lorsque je vais commencer le compte à rebours, madame, si vous voulez bien descendre. Vous pouvez sauter, vous pouvez plonger, hein, pour pouvoir les marcher. Donc attention, parce que vous ne verrez rien souvent, vous faites ici. Ah, qu'est-ce que tu es fait pour donner le signal? Non, il n'est toujours pas prêt. On va attendre un second. Pardon. De bien remonter, vous êtes un peu contre le courant, pour remonter, aller dans la direction de la banque en face. Marc, tu fais? Tu fais si, Marc? J'attends que Marc me fasse si. Marc, est-ce que c'est lui? La sécurité nous presse de donner le départ pour éviter les orages. Ok, on va compter. 10, madame, vous descendez. 9, 8, 7, 6, 5, vous pouvez compter avec moi. 4, 3, 2, 1.
Well, this morning I'm at Grand de Gine, station in Bordeaux, getting ready to go to Arcachon, or spend the afternoon in Arcachon. And it's only costing me €17 for a 2-hour return trip. So that's a world of difference to the UK. And it gets me to the coastline, beautiful beaches, and near the tallest sand dunes in Europe as well. So I'm looking forward to that. So it's 11:35 nearly, and then we're at Gare Saint-Jean and heading towards Arcachon. We've had a slight rainfall, but that's okay, it's still warm. So it'll take an hour to get to Arcachon from Gare Saint-Jean and hopefully have a good day walking around the beach, even if it's been raining. Malade. C'est mal Rio. Rio Rio. Que te calles, dice. Thank you.
taste of paradise in Atlantic France. In fact, Arcachon was built on it, and pine forests. Paradise. I'm in beautiful Arcachon, which is an hour away from Bordeaux, and the sand is glorious. It's early June, it's about the 4th of June, and the sand is like talcum powder. And just around the corner, you've got Dunes de Pila, which is the biggest sand dunes in Europe, and one of the oldest nature's beaches around there as well. I visited there 2 years ago and haven't got time to go there today, but it's great to be here. It's warm, it's sultry, and it's quiet because it's out of tourist season. And it'd be nice to have somebody to enjoy this with me. But never mind, maybe sometime. Thank you.
So that was a good afternoon out from Bordeaux to Arcachon. Slightly out of season, but a really, really nice, relaxing afternoon. All for under €20. Vous souhaite la bienvenue à bord de ce TER à destination de Bordeaux-Saint-Jean. Il desservira la Teste, la Hume, Ugent-Mestras, le Teche, Facture Biganos, Marche Prime, Gazinet-Sestas, Alouette-France, Pessac et Bordeaux-Saint-Jean. L'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Ne les laissez pas sans surveillance et signalez-nous tout colis ou objet qui vous semble être abandonné. Nous vous souhaitons un agréable voyage. That up in the air is the road. It looks as though the bridge is being repaired because it's been open for a while. It's been open like that for a while now. Non solo francese. So that's why the road was closed. It was designed for to let ships like this through.
Well, this is the Premier Classic hotel I'm staying in for 6 nights in Bordeaux. Had a room to myself and it cost 165 euros, I think. And it's been a great few days here. Third time in Bordeaux in just over 12 months. And I came here to cover Pride and want to explore other areas next. So I'm going to go to Lisbon at the end of June and I'll be in Brighton this coming weekend. So see you in Brighton. I'm now on the bus from Bordeaux heading back to the airport. It's costing 5 euros and it takes about 30 minutes to get back to the airport and heading back to Bristol. And it's raining in Bordeaux. That's Gare Saint-Jean. Music with great thanks by Chris Oxland. You can find him on Facebook. Thanks also to the great people of Arkishan and Bordeaux. This has been Chris with Your Video 2018. You can contact me at ccshotel12@hotmail.com. Help to sponsor my videos, you can pay me at ccshotel1@gmail.com. Thanks for watching the video.